J'étais en train de dire que Jésus était venu, il a payé les livres, il a payé les prix. Et après avoir payé les prix, qu'est-ce qu'il faut? Il est rentré dans les cellules, en train de intercéder pendant les 7 âges de l'église. À la fin du 7e âge de l'église, il prend les livres, il sort du Saint-Père, il sort de l'éternité, il prend les livres, brise les sceaux, il donne. Il libère les titres des propriétés dans la révélation au 7e âge. Voilà la position royale dans l'épouse. Donc, c'est quand Adam a fait les livres. Parce qu'au commencement, c'est Christ qui avait les livres. Il l'a donné à Adam. Et quand Adam avait péché, le livre est rentré au propriétaire original. Ça veut dire Dieu, le Père. Livre est rentré au propriétaire original. Voilà pourquoi Christ devait venir payer les prix afin de racheter l'homme, de purifier l'homme, de donner sa vie pour l'humanité, pour qu'il puisse aller rentrer dans les seins des pères et récupérer les livres pour donner à l'homme. C'est quand Christ prend les livres aussi, comme au commencement, qu'il les donne à Adam. Ces moments-là, la création retrouve sa place. Parce que au commencement, Christ avait pris la livre, l'avait donné à Adam. Adam était le roi de la terre. Parce que les livres te donnent l'autorité royale. Les livres, c'est les livres royaux. Les livres te donnent l'autorité royale. Et quand Adam a vu les livres, parce que les livres, c'est les livres royaux, les livres dont l'autorité royale, c'est un livre roi. C'est un livre royal. Quand tu possèdes ces livres, tu deviens roi. Parce que c'est un livre royal. Ce livre a des attributions royales. Quand tu reçois les livres, tu reçois la royauté. Quand Adam a vu les livres, le roi de la terre. Quand il a perdu le livre, il a perdu la royauté. Il a cessé d'être roi de la terre. Il a arrêté sa domination sur la terre. Voilà pourquoi toute la création gémissait, parce qu'ils n'ont plus de roi. Son roi avait quitté le trône. Son roi avait perdu le trône. Donc le livre, c'est le livre royal. Ces livres te donnent droit à la royauté. Ces livres te donnent droit à être roi. Adam était le roi de la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait les livres. Et quand les livres sont restaurés, sera encore restauré à l'homme. Donc au commencement, c'est Christ qui a pris les livres et a donné à Adam. Adam était devenu roi de la terre. Et quand Adam a perdu le livre est rentré vers Dieu. Vers le détenteur original. Que c'est venu, il a pris, il est mort, il est ressuscité, il est rentré dans les seins du peuple, il sort l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les lions de la tribu de Juda, afin qu'il a pris les livres, il a brisé les sorts. Et dans la révélation 7e ange, il prend la position royale dans l'épouse. Ça veut dire quoi? Il dépose les livres royaux dans l'épouse. L'épouse reçoit les livres royaux. Parce qu'aussitôt que tu reçois ces livres, c'est le livre qui a les caractéristiques royales. C'est le livre qui a les attributions royales. C'est un livre royal. Donc Adam, aujourd'hui, avec ce livre royal, l'agneau brun, il les donne à qui? À Adam. C'est quand il donne à Adam. Parce que la création attendait avec un Adam des yeux, quoi, la révélation des fils des dieux. Parce qu'il a été soumis à la vanité. Dans Romains chapitre 8, je vais lire. Dans Romains chapitre 8, la création attend avec un Adam des yeux, quoi, la manifestation des fils des dieux, parce qu'il a été soumis à la vanité. Aussi, la création attend-elle avec un Adam des yeux, la révélation des fils des dieux, car la création a été soumise à la vanité par qui? Par Adam. Donc, aussitôt que Adam sera restauré, la création sera. Parce qu'il y a un contact entre Adam et la création. Aussitôt que Adam reprend les livres, ça lui donne
une connexion avec la création. Ça les place dans une position d'autorité avec la création. Il y a un secret. Quand Adam avait les livres, il les plaçait dans une position de contrôle. Et cette position de contrôle avait des ramifications sur la terre. Cette position de contrôle avait autorité sur la terre. Donc Adam régnait dans l'autorité royale sur la terre, sur les animaux, sur les poissons, sur les oiseaux, sur tout ce qui est sur la terre. Comme j'ai dit, au commencement, l'agneau prend les livres Christ et donne à Adam. Et le règne d'Adam commence. Quand aussitôt qu'Adam perd les livres, il perd aussi son règne, sa domination. La création entre dans les processus d'aspiration, des gémissements, en attendant que Adam puisse y chemiser pour qu'Adam retrouve les livres. La création priait, intercédait pour que la création, Adam retrouve les livres. En ce temps de la fin, l'agneau qui était allé dans le sein du Père, il est sorti de l'intercession du sein du Père. Il prend les livres, il brise les sceaux, il libère les titres des propriétaires, il donne la révélation au septième ange. Et il va poser les livres, il dit Jean, prends les livres, mange. C'est ça, il prend la position royale, signifie Jean prend les livres, mange. Et quand Jean prend les livres, mange, c'est la royauté. Quand Jean prend les livres et il mange, c'est la royauté. Ça veut dire qu'il mange la royauté. Les livres qui lui donnent droit d'autorité, les livres qui lui donnent les droits royaux, les livres qui lui donnent l'autorité royale, les livres qui lui donnent la gouvernance royale. Il gouverne comme le roi de la terre. C'est le livre qui est autorité royale sur la terre, qui est autorité divinement royale sur la terre, car c'est un livre divin. C'est la divinité sous la forme du livre, avec l'autorité, avec l'autoritarisme royal, avec l'autorité royale. J'insiste que c'est le livre royal. Alors, aussitôt que l'agneau prend, il redonne encore à Adam. Mais c'est le temps aujourd'hui, parce qu'au commencement, l'agneau a pris les livres, il a donné à Adam. Adam était le roi de la terre. Quand on a perdu, il a perdu aussi la royauté sur la terre. Aujourd'hui, la même séquence réapparaît en ce temps de la fin. Il sort de l'éternité. C'est comme ça qu'il était dans les, au commencement. Il avait pris les livres, il a donné à Adam. Il avait donné à l'homme, à la race humaine. Et l'homme qui représentait la race humaine dans le jardin d'Éden, c'était Adam. L'homme qui a représenté la race humaine dans Apocalypse chapitre 10, c'est William Branham. L'homme qui a représenté la race humaine dans le jardin d'Éden, c'est Adam. L'homme qui représente la race humaine dans Apocalypse 10, c'est William Branham. Donc, la révélation à la voix du septième ange. Le septième ange prononce la parole, il libère la parole. Révèle les sept sceaux, brise les sept sceaux, libère les sept sceaux. Et après, il appelle Jean, ça veut dire l'épouse vient, prend les livres, mange. Parce que manger les livres, c'est l'acte qui attend à vivre. Manger les livres, c'est ce qui s'était accompli dans les jardins d'Éden. Quand Adam avait reçu les livres, il avait mangé. Il dit, il mangeait l'arbre de vie. Quand Adam avait péché, Dieu a dit, chassons-les du jardin pour qu'ils ne puissent plus continuer à manger l'arbre de la vie. Et aujourd'hui, c'est le retour de manger les livres. Manger l'arbre de la vie. Manger les livres. C'est la même chose. La chose. Donc, quand on appelle Jean à venir manger les livres, c'est-à-dire que
Là, les anges, les quatre êtres vivants, ils ont ouvert la porte parce que l'arbre de vie qui relève est à l'intérieur du jardin de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu d'Apocalypse, Deïse. Et il appelle les gens, viens manger. Il appelle où? Dans les jardins. Ça veut dire que les jardins de Dieu sont sur la terre. Amen. Ça veut dire que le jardin d'Éden est sur la terre. Donc Jean vient au temps du jardin d'Éden, vient prendre les livres pour manger. Ces livres te donnera l'autorité. Ces livres te donnera la puissance, la gouvernance. C'est un livre royal. Ce livre a toutes les capacités royales, a tout l'autoritarisme royal, a toute la gouvernance royale. C'est livre royal. Donc, la voix appelle Adam dans les jardins d'Éden. Reviens, prends les livres, mange. Reviens dans les jardins d'Éden, prendre les livres et manger. Manger les livres dans les jardins d'Éden. Viens manger les livres dans les jardins d'Éden. Ça veut dire que le message aujourd'hui, c'est manger les livres. Le message aujourd'hui, c'est j'en prends des livres, mange. Parce qu'avec les livres, c'est le retour au commencement. Et c'est ça qui va introduire Romains chapitre 8, verset 16. Toute la création, toute la création, même les morts en Christ qui sont dans la sixième dimension, que j'appelle la salle d'attente, soupirent. Ils attendent la manifestation des fils de Dieu ici sur la terre. Toute la création attend la manifestation de Dieu sur la terre. Car cela va les libérer. Cela va les rendre libres. La manifestation des fils de Dieu sur la terre va restaurer la création. Le bonhomme dit clairement que les fils de Dieu seront manifestés, Dieu ravira Satan toute sa puissance. Ce livre leur donnera droit pour maintenant dire qu'ils seront capables de créer toute une planète, de détruire toute la création. Ils ne vont pas détruire parce qu'ils vont marcher selon les principes de Dieu, selon les lois de Dieu. Ils ne vont pas détruire la parole de Dieu. Toute la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Toute la création attend avec un ardent désir les jours des fils de Dieu. Où sont ces fils unique des univers? Où sont ces fils Elohim? Ces fils qui sont sortis des univers, où sont-ils? Car ce sont eux qui ont les troisièmes points. Parce qu'ils sont les livres à la main. Ils sont les troisièmes points dans toute sa puissance. Ils sont la révélation du message. Ils sont la maturation du message. Ils sont la manifestation de l'ange et l'éternel. Aujourd'hui, le messager, aujourd'hui, c'est l'ange et l'éternel lui-même. Dans la manifestation, c'est l'ange lui-même qui agit, c'est lui qui conduit l'église, c'est lui qui agit par des signes, des prodiges, des miracles, comme jamais auparavant, parce que c'est le ministère de l'ange lui-même. Ce n'est plus le ministère des hommes. Les sept âges de l'église sont finis. Maintenant, c'est le ministère de l'ange lui-même. C'est lui qui conduit l'église, c'est lui qui se révèle dans l'église, c'est lui qui parle dans l'église, c'est lui qui agit, qui révèle le mystère à l'église. Ce qui ont été écrites à travers les lignes, comme le dit le prophète Branham, sont révélés aujourd'hui à l'homme dans le ministère de l'ange. Par le ministère de l'ange, le ministère de l'ange révèle la parole. Le ministère de l'ange dévoile les mystères. Le ministère de l'ange, c'est aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, Apocalypse 10 est accompli. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sur le ministère de l'ange. Toute la création attend de voir ces jours. Toute la création attendait ces moments. La manifestation du Fils de Dieu, c'est l'âge glorieux. L'âge de l'épouse, l'âge de la manifestation du Fils de Dieu, c'est l'âge glorieux. C'est l'âge de la gloire, c'est l'âge de la puissance, c'est l'âge de la manifestation, de la démonstration. Dieu vous bénisse richement et me suivre dans cette série d'enseignements tellement riche, tellement puissante.